et bienvenue dans ce live Facebook Alumni où l'on reçoit Financia Business School pour échanger pendant une heure sur cette école, ses particularités, avec trois alumni qui nous rejoignent, Anthony, Anaïs et Kevin, qui ont tous les trois participé à un programme de Financia et qui vous parleront de leur expérience. Et étant donné que deux d'entre eux sont déjà actuellement dans le monde du travail, ils vous donneront également une perspective sur les débouchés qu'offre cette école. N'hésitez pas, pendant toute cette heure, à poser vos questions en commentaire. On pourra prendre vos commentaires, y répondre de manière interactive. En attendant, ce que je vous propose, c'est que nos invités se présentent. Anaïs, tu es actuellement étudiante au Master Compliance de Financia. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire pourquoi tu as rejoint Financia ? Bonjour, oui, donc je fais le MBA 2 Compliance et je fais mon alternance donc chez Duff & Phelps. Et j'ai choisi de rejoindre Financia parce que c'est une école qui permet d'effectuer un M2 en alternance et en même temps d'accéder à un corps professoral qui est prestigieux. Donc je pense que pour entrer dans le monde du travail, c'était nécessaire. Ok, super, merci beaucoup. On reviendra sur la compliance et la spécificité du programme de Financia. En compliance. Anthony, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton parcours, comment tu as intégré Financia et où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Alors, moi j'étais étudiant, j'ai fait une licence de mathématiques appliquées à Bordeaux. Ensuite, j'ai fait le Master 1 de l'IEL Toulouse. Et ensuite, j'ai décidé de rejoindre Financia en alternance, pour le côté alternance justement, pour rejoindre une entreprise et avoir un peu plus d'expérience. Voilà. Et donc actuellement, je suis chez BPCE en risque de taux dans la gestion ALM. Super. Effectivement, tu mentionnes l'alternance, c'est une des particularités de Financia. Kevin, oui. Je te propose de nous dire un petit peu quel était ton parcours puisque tu fais partie de la première promo. Exactement, tout à fait. Donc la première promo 2014-2015. Moi, j'ai commencé mes études en économétrie et statistique à Toulouse jusqu'au Master 1. Suite à ça, j'ai fait mon premier stage au sein de Société Générale. Puis j'ai pris une petite année sabbatique au Canada pour me faire plaisir. Et ensuite, j'ai décidé d'intégrer Financia Business School pour plusieurs raisons. D'une, pour la flexibilité que ça offre lors du cursus de pouvoir travailler et étudier en même temps. Donc l'alternance, très importante. Mais également pour le corps professoral et des académiciens assez reconnus et des professionnels également. Super. Qu'est-ce que tu fais ? Actuellement, je travaille dans l'équipe de recherche en stratégie à la Société Générale à Londres. Donc mon métier consiste à conseiller des clients ainsi que des traders sur les stratégies de marché de taux et dérivés taux. Super. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je vous invite à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions à la fois sur l'école Financia et ses différents parcours. Je vous invite également, si vous avez des questions pour Kevin, Anaïs ou Anthony, à les poser en commentaire. Et l'idée, c'est que pendant une heure, on prenne le temps d'y répondre. Du coup, moi, je me mets à la place d'un candidat. Aujourd'hui, Financia, c'est une école qui a 4 ans. Pourquoi est-ce que je considérerais cette école et à quel moment dans mon parcours est-ce que je dois me poser cette question ? Anthony ? Alors, en fait, l'avantage de l'école, effectivement, c'est l'alternance. Donc, ça permet effectivement d'avoir un peu plus d'expérience, surtout quand on sort de l'université, où en fait, l'expérience, c'est surtout en fait le mauvais côté de l'université. C'est beaucoup de recherche, beaucoup de théorie et finalement peu de pratique. Donc, moi, j'ai pas hésité longtemps en fait à rejoindre une école qui faisait de l'alternance. En réalité, il y en a assez peu pour rejoindre un Master 2 en alternance. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas vraiment hésité, j'ai postulé et puis du coup, ça s'est très bien passé. J'ai passé une année un peu difficile parce qu'en soi, c'est vrai que c'est compliqué de travailler et en même temps d'aller à l'école parce que c'est vrai que c'est des semaines très souvent de 4 jours de travail et ensuite 2 jours à l'école. Donc, ça laisse très peu de temps pour les sorties, mais ce n'est qu'un an. Et après, au bout d'un an, c'est vrai qu'on se retrouve avec 8 à 9 mois d'expérience en plus. Et c'est toujours valorisé en fait sur le CV, que ce soit pour l'emploi qu'on va obtenir en fait, et surtout aussi le niveau de salaire qu'on peut espérer. Anaïs, tu es actuellement encore étudiante, donc en alternance. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle a été ta réflexion avant de rejoindre Financia et pourquoi est-ce que tu as considéré le Master Compliance de Financia ? J'ai considéré le Master Compliance de Financia parce que déjà les Master Compliance c'est très rare
Et en plus, un master 2 en compliance, en alternance, avec un corps professoral où c'est que des personnes qui travaillent en compliance, je pense que la question était vite résolue. Après, c'est vrai que je rejoins Anthony sur le fait qu'il faut s'organiser, qu'au niveau du travail, on a l'école, mais il y a aussi le travail à gérer à côté. Après, un master 2 en compliance, en alternance sur le marché du travail, je pense que c'est vraiment intéressant. Tu peux nous rappeler ce que tu avais fait avant ton master ? Oui, j'ai fait une licence de droit. Et en fait, c'est vrai qu'en sortant de la fac, on n'a pas d'expérience professionnelle, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et finalement, rentrer à Financia, ça m'a permis de confirmer mes choix en fait, et d'être sûr de vouloir rester en compliance. Merci. Kevin, à l'issue de ton année sabbatique, tu es rentré en France et tu t'es dit il faut que j'aille à l'école, que je retourne. Oui, c'est ça, une école qui permettait de travailler en même temps, parce que le plus important du point de vue d'un recruteur, et surtout en finance de marché, je pense, comme le disait Anthony, c'est l'expérience professionnelle. Donc, c'est-à-dire on peut être bardé de diplômes de Toulouse, etc., de l'université, avec des cours très, très académiques, très techniques, mais au final, ça n'apprend pas un métier. Financia a justement cet atout de lier à la fois une rigueur académique et de recherche quand même, puisqu'il y a des grands professeurs comme M. de Boissieu, etc., dans le corps professoral, mais également permettre aux étudiants d'acquérir des compétences professionnelles qui sont sans nul doute plus valorisées par les recruteurs que l'expérience purement académique. Comment s'est organisée ton alternance aujourd'hui? Tu travailles toujours dans la même équipe générale. Et comment est-ce que du coup cette équipe t'a initialement recruté et ensuite comment s'est transformée ton alternance en job? Par les résultats en fait. Lorsqu'on travaille bien et qu'on a un background et qu'on peut apporter quelque chose de nouveau à une équipe, en général les headcounts ne sont pas très difficiles à trouver. À Paris, c'est plus compliqué. Il faudrait expliquer donc c'est pour ça aux équipes parisiennes de la Exactement, exactement. À Paris, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on m'a laissé le choix. On m'a dit à Paris, tu peux pas continuer. Si on t'envoie à Londres, est-ce qu'il y a un souci? Moi, au contraire. Donc, je pense que. En fait, ils sélectionnent, si vous voulez, pour moi, la Société Générale, elle fonctionne un peu comme ça. Elles vont prendre plein d'étudiants, des stagiaires, etc. Elles gardent que ceux qui ont performé sur le métier. En ce moment, je fais passer des entretiens pour avoir mon propre stagiaire et je ne regarde pas forcément l'école, le diplôme, etc. C'est des entretiens techniques assez simples, des questions basiques, mais on veut voir quelqu'un qui raisonne, qui réfléchit et qui a une connaissance également du métier. Donc, on peut tomber sur des gens qui ont fait les meilleures universités mondiales et qui n'arrivent pas à calculer une espérance sur un jeu de dés. Donc, c'est assez marrant. Et Financia, justement, je pense, à mon humble avis, permet d'acquérir des capacités techniques et à la fois le raisonnement qu'il y a derrière le fonctionnement des marchés financiers. Donc à la fois Kevin et Anthony, vous avez fait le master finance de marché de Financia. Exactement. Anthony, est-ce que tu peux rebondir justement sur l'apport technique du programme? Quels ont été les enseignements suivis et à quel moment est-ce que ça a été intéressant et important dans ton insertion professionnelle? Alors oui. Alors déjà, moi j'ai choisi aussi le master pour l'alternance, mais j'ai choisi aussi le master parce qu'il y avait, pour les cours qu'il y avait. Il y avait quand même des cours sur le taux, parce que c'est dans le domaine où je voulais travailler. Donc il y avait pas mal de cours plutôt intéressants, c'est vrai. Et surtout, il y avait des cours qui étaient donnés par des professionnels, ce qui n'est pas toujours le cas à l'université. Malgré le fait qu'on fasse un master pro, très souvent on se retrouve avec des cours en fait, qui sont donnés par des maîtres d'université. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas la même chose. Donc là, on avait toujours des cas concrets. On avait toujours des professeurs, enfin des professionnels qui nous donnaient des cas concrets, des exemples. Et du coup, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile, en fait, d'intégrer les choses, de comprendre concrètement à quoi ça sert. Je voudrais juste appuyer aussi sur le fait que les cours, en fait, les professeurs sont quand même vachement à l'écoute en fait, des étudiants. Et du coup, en fait, le programme est toujours revu. Je sais qu'à l'époque où j'étais, c'était en 2015-2016, on avait fait la demande justement d'avoir un cours en risque de taux, risque tout ce qui est VAR, etc. C'est ce qui manquait un peu au master. Et l'année suivante, Thomas Touillet, donc le responsable du master, a intégré effectivement le risque de taux. Dans le programme. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment à l'écoute.
Ce qui n'est pas toujours le cas à l'université où c'est vrai qu'il faut le temps administratif, c'est vrai que c'est parfois très très long pour mettre en place un nouveau programme, etc. Là, ils sont vraiment très réactifs selon la demande et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Anaïs, comment est-ce que le savoir et les cours sont délivrés sur le Master Compliance? Donc, sur la partie finance de marché, on a des professionnels qui viennent délivrer des cours sur leur expertise, si je comprends bien. Qu'est-ce qui se passe côté compliance? Alors, sur le côté compliance, c'est la même chose. C'est des professionnels qui viennent nous donner des cours. Donc, on a un master qui est d'actualité, parce qu'on traite des sujets d'actualité et qui sont phares en compliance. Donc, c'est aussi un avantage quand on passe des entretiens, c'est qu'on est au courant, on sait de quoi ça parle. Et les professeurs qu'on a, ils ont des expériences parfois de 10 ans, voire plus. Et du coup, on a des cas concrets et ils ont plein d'exemples à nous fournir. Et c'est vrai que c'est pas du tout comme un cours à la fac. On échange vraiment, c'est interactif. Et l'école, je trouve qu'elle est assez flexible aussi parce qu'ils écoutent en fait ce qu'on dit et ils entendent que bah, y a certains cours qu'il faut les rajouter parce que c'est essentiel pour combler le programme. Kevin, on a la question de Greg. Salut Greg. Qui te demande, j'intègre le MBA 2 de Financia Business School en octobre, en finance de marché. Je souhaiterais savoir s'il est possible d'obtenir une alternance sans avoir effectué stage au préalable. De plus, je souhaiterais savoir ce qu'un recruteur recherche chez un candidat qui n'a pas encore d'expérience. En fait, c'est compliqué à répondre comme question. Ça dépend plus particulièrement du domaine dans lequel tu veux travailler en finance. Les qualités et les compétences vont vraiment être différentes en fonction de la ligne métier. En tout cas, pour une alternance, en général, on ne demande pas des gens avec un bac plus 12 et ayant déjà 3 ans d'expérience. On va plutôt faire passer un entretien donc qui va être différent en fonction de la ligne métier, comme je le disais. Et à la suite de cela, tu peux être pris comme pas pris, malheureusement. Et voilà, donc j'ai oublié la question d'ailleurs. Mais c'est en gros, qu'est-ce que le recruteur recherche chez quelqu'un qui n'a pas... Pas de compétences, oui. C'est savoir réfléchir, savoir chercher par soi-même, être débrouillard. Et alors, moi, je me place à être indépendant, candidat. Comment on fait déjà pour arriver à cet entretien? C'est des mails, des CV, essayer de faire jouer les contacts sur LinkedIn. Hein. Moi, j'ai reçu pas mal de CV de gens que je ne connaissais pas sur LinkedIn. Je les ai lus. On a fait passer quelques-uns avec mes collègues. Tu vas recevoir 200 CV sur... Ouais, sur bah, allons-y, hein, on cherche en permanence des talents, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que, Anaïs, donc, aujourd'hui tu travailles chez Duff & Phelps, qui est une maison très reconnue. Quelle était l'approche? Comment Duff & Phelps a regardé ton profil initialement? Comment ils ont retenu ton CV, quel a été le process? Est-ce que tu as eu un petit peu d'informations, une fois que tu as signé ton offre, sur comment ils ont retenu ton CV? C'est plutôt moi qui suis allée de l'avant. En fait, j'ai tenté, je me suis dit pourquoi pas, même si c'est une grande maison, faut tenter. Et en fait, lors de l'entretien, ils ont testé mes compétences. Et en fait, quand ils ont vu que je connaissais les sujets d'actualité, c'est là qu'ils se sont dit... Finalement, c'est pas plus mal. Et aussi, le niveau d'anglais qui est important. Et c'est pour ça que nous, dans le Master Compliance, on a une partie des cours qui se font en anglais. Parce que c'est, pour la compliance, c'est important. Et moi, ça m'a permis, je pense, d'accéder à Duff & Phelps. Super. Je vous propose de passer à la partie un petit peu pratique. Comment s'est passé, Anthony, ton processus d'admission financière? Alors, le processus était assez simple. En fait, on a passé un test d'anglais, on a passé un test de finance. Sous forme de QCM principalement, et ensuite un entretien de motivation en expliquant finalement de la même manière qu'on serait en face d'un recruteur. J'ai donc présenté mon profil, mes expériences et mes diplômes, voilà. Et à la suite de ça, je pense que j'ai eu une réponse dans la semaine suivante, il me semble. J'ai plus trop souvenir, mais effectivement ça s'est fait assez simplement. Le recrutement était, je trouvais, assez simple. À quelle période, Anaïs, est-ce que tu avais postulé? Moi, je me souviens, c'était au mois d'avril. J'avais envoyé mon CV, ma lettre de motivation. Et ensuite, je suis venue à l'école passer les tests comme Anthony, un questionnaire de finance, d'anglais. Et ensuite, un entretien en face à face avec une personne de l'école.
Par curiosité, quel est le profil des gens qui sont dans ta promotion en compliance? Est-ce qu'il y a une majorité de juristes? Est-ce qu'au contraire, il y a des profils différents? Alors en M1 compliance, au contraire, on était des profils très différents. Et c'était aussi ce qui faisait l'avantage de notre promo. C'est que face à des profils différents, il y avait plein de questions, on pouvait échanger, on avait tous un point de vue différent. Là en M2, il y a plus de juristes, mais il y a toujours d'autres profils qui viennent. Et il y a aussi certaines personnes qui ont déjà travaillé, qui ont déjà une expérience et qui se disent la compliance aujourd'hui, c'est intéressant sur le marché du travail, ça bouge bien, donc qui viennent en fait dans le M2 compliance après avoir une expérience. Concrètement, est-ce que tu as quelques exemples des parcours qui précèdent le Master Compliance et qui n'ont pas fait du droit pour que certains puissent se reconnaître? Oui, bien sûr, il y a des personnes qui ont fait que de la finance, par exemple. Qui du coup, eux, elles sont déjà rentrées sur le marché du travail et finalement, bah, le côté finance, c'est bien, mais c'est pas suffisant et ils sont venus, ils ont fait M2 compliance et voilà. Ok, intéressant, super, merci beaucoup. Kevin, tu te souviens de ton admission? Est-ce que, Même principe qu'Anthony, un examen avec des questions financières, un QCM et un entretien de motivation. Comme tu fais partie de la première promo, ben, la nouveauté de l'école a vraiment dû être pour toi une donnée encore plus importante que les autres. Ouais. La première fois qu'on rencontre un RH ou un opérationnel qui dit c'est quoi Financia, qu'est-ce qu'on lui répond? Bah, que c'est une école dédiée à la finance, avec un corps professoral reconnu, donc il y a pas mal de noms qu'on pourrait citer. Mais également avec de la pratique, beaucoup de pratique. On sait à peu près tous utiliser Bloomberg, ce qui est déjà un grand plus quand on arrive en finance. On a aussi bien des cours quantitatifs que macroéconomiques, donc c'est un tout. C'est pas vraiment, je dirais, c'est pas vraiment un profil d'ingénieur au sens où on ne fait pas que du quantitatif. C'est pas non plus un profil d'économiste, puisqu'on ne fait pas que de l'économie. On lit un peu les deux. Et ça donne plutôt un panel de compétences un éventail de compétences assez large. Et en généralement, les recruteurs aiment bien la polyvalence aussi, parce que dans le monde de la finance, il faut toujours savoir se renouveler. Avant, par exemple, en stratégie chez Société Générale, c'était beaucoup axé sur l'étude macroéconomique, surtout sur les taux. Et de plus en plus, on va vers le machine learning et des méthodes quantitatives. Donc le fait d'avoir les deux, plus de la programmation, avec les cours de Thomas, ça donne plutôt un panel assez séduisant au point de vue des recruteurs. Il faut juste savoir l'expliquer et le prouver lors de l'entretien. Merci Kevin. Je vous invite à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Pour rappel, on passe une heure à parler de Financia, qui est une business school spécialisée en finance, qui propose différents masters au niveau Bac plus 3, Bac plus 4 et Bac plus 5. À la fois un master compliance au niveau M1 M2, mais également un master finance de marché dont Anthony et Kevin sont des alumni. Et enfin, je crois, un master en finance plus corporate qui également a des promotions assez nombreuses. J'en profite pour rebondir. Si vous deviez choisir, Anthony, qu'un seul cours pendant votre cursus à Financia, lequel est-ce que vous retiendrez et pourquoi? Je retiendrai le cours de valorisation des produits de taux qui était vraiment très très complet. J'ai encore le document, je le garde tout le temps parce que tout est très bien expliqué. Il a su expliquer finalement de façon concrète en fait à la valorisation et en plus l'avantage, et ça peut être quand même un sacré avantage. À la fin de l'année, effectivement, il m'avait proposé un stage avec suivi éventuellement d'un poste. Bon, pour des problèmes, en fait, puisque j'étais déjà chez Natixis, je ne pouvais pas recommencer un stage, c'était un peu compliqué. Mais en soi, c'est vrai qu'il y a aussi des opportunités qui peuvent arriver, même en tant qu'élève. Donc vraiment, c'est une chance, effectivement, d'avoir des cours aussi complets, avec un document auquel on peut se référencer. Même un an, deux ans, trois ans après, voilà, c'est vraiment une chance. Anaïs ? Moi, ce serait plutôt le cours de Financial Regulation. C'est un cours qu'on a eu au premier semestre du M2, qui se fait en anglais. Et c'est un cours sur des sujets d'actualité, aussi bien MIF2 que GDPR et encore d'autres sujets. Et en fait, c'est un cours qui m'a vraiment servi au niveau de mon travail.
Parce qu'aujourd'hui encore, je retourne dans mes cours pour m'aider, et surtout en anglais, c'est vraiment bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ressemble ton travail en compliance? Parce que beaucoup de gens qui sont intéressés par le marché ou le corpo n'ont qu'une vision très lointaine. Ils reçoivent des mails de compliance, en général pour leur taper sur les doigts. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, en compliance, il y a différents types de jobs. Moi, je suis surtout en consulting, donc dans une équipe de consultants. Et du coup, dans le cadre de mon travail, en fait, on conseille les entreprises sur comment bien respecter la loi et éviter toute amende. Et donc, ça va être des questions qui vont arriver de temps en temps, comme ça, tiens, il y a un nouveau sujet, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors plutôt des contrôles qui vont être récurrents et où on effectue chez les entreprises des contrôles. Parfait. Kevin, un autre cours du coup ? Un autre cours, moi ça serait plutôt pricing d'options et méthodes numériques, donc programmation et pricing d'options dérivées. D'ailleurs, j'avais fait mon mémoire cette année sur des modèles de pricing de swaptions dans un univers de taux négatifs, puisque les modèles classiques, justement, ne fonctionnaient plus. Donc c'était assez marrant et à la fois pratique, puisque ces modèles ont été adoptés par la Société Générale et mis en ligne par une web app, un web service, afin de pricer des swaptions. Donc c'est un domaine passionnant où il faut à la fois des capacités techniques, mathématiques et en programmation, et aussi au niveau de la finance de marché, puisqu'on utilise ces modèles, il faut savoir où sont les petits défauts du modèle pour ne pas se tromper lors de l'analyse des data. Donné par la même personne, je pense. Je ne me rappelle plus du nom du professeur. Le prof ouais. C'est Thomas, moi. C'était Thomas Tuyde. Ah, c'était Thomas? Oui. Ouais, ouais. J'ai une question de Gaël, du coup, plutôt pour Anaïs. Qu'est-ce qui est déterminant en entretien pour un juriste qui n'a pas forcément une expérience en finance? Je pense que c'était ton cas en rentrant à financière. Tout à fait. Je pense qu'il faut savoir que la compliance, ça ne touche pas que la finance. Donc, on n'est pas obligé d'être spécialisé en finance. Après, l'avantage, c'est si on rentre chez financier et qu'on veut faire de la compliance en finance, on a aussi des cours de finance en fait, qui nous sont dispensés. Et du coup, ça nous permet en fait, de toucher certains sujets qui sont nécessaires pour la compliance. Et moi, aujourd'hui, si je n'avais pas eu ces cours, il y a des sujets sur lesquels je n'aurais pas pu travailler. Bien compris. J'espère que tout le monde entend Anaïs. Je crois que le micro est un petit peu tombé. Je vais en profiter pour enchaîner sur une question de Greg. Vraiment, Greg, il a l'air intéressé par financier, mais il dit comment est-ce qu'on fait pour obtenir une alternance en termes de démarche? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il a une expérience déjà, en fait, la question déjà c'est pas savoir s'il a de l'expérience. Parce que, moi, non, mais je pense que là, on est sur l'aspect admin, quoi. Concrètement, comment on fait pour avoir une alternance? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des papiers à faire? Non, c'est pas très compliqué. Alors déjà, il y a quand même pas mal d'expérience. Il y a quand même pas mal d'alternance, donc d'offres d'alternance. Après, plus on arrive vers septembre, et moins il y en a, effectivement. Mais s'il a de l'expérience, je lui conseille en fait d'être un petit peu sélectif, parce qu'il y a beaucoup d'offres d'alternance qui sont, je dirais, très répétitives, entre guillemets. Donc bien choisir, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'offres. Il y a des offres plus qualitatives que d'autres. Ouais, exactement. Donc tout dépend en fait de la période à laquelle il va commencer sa recherche. S'il a de l'expérience, je lui conseille effectivement de bien sélectionner et il va avoir des retours. Il y a vraiment beaucoup d'offres pour finalement peu de formations qui proposent de l'alternance. Donc voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Après, je ne sais pas si c'est celui de mes collègues, mais. Là, on a un aperçu de vos parcours respectifs. On se dit quand même, ils sortent de Financia, ça a l'air facile. Ils ont trouvé un super job à la SEG, un super job de BCE, un super job en compliance chez Duff & Phelps. Pas encore le job, mais bientôt. Du coup, on se demande, ok, mais est-ce qu'il y en a qui ont plus de difficultés? Comment se porte la promo? Que font aujourd'hui vos camarades de promo? Pour ceux qui ont gardé contact, est-ce que vous pouvez nous peindre au moins par touche un tableau de votre promo? Oui, alors moi j'ai des retours de 4 personnes dans ma promo et les 4 je crois sont en VIE. En tout cas, à la suite d'un CDD, mais 3 qui sont en VIE il me semble et une qui est partie en VIE, je crois, Elsa.
partie en VIE un peu plus tard, tout petit peu plus tard. Mais donc, ça fait quand même 4 personnes en VIE. Je crois que c'est la Société Générale. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas vraiment les entreprises, mais en tout cas, je sais qu'il y a 2 Sociétés Générales. Et donc voilà, principalement du coup des VIE. Ok. Kevin, les quelques personnes? Ouais, quelques personnes. Je connais quelqu'un qui est à la Société Générale également en CDI à Paris. Il travaille. CDI à Paris? Ouais. Ils ont fait une statue à son effigie. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Donc au départ, il était arrivé en même temps que moi à la Société Générale. Il était sur le desk juste derrière en salle. Il était sur le trading de short-term paper. Donc à la Société Générale, c'est le seul desk où tu as le droit de traiter lorsque tu n'es pas permanent. D'accord. Donc il a pris des capacités techniques de trading assez rapidement. Et maintenant, il est sur le Forex, toujours chez Société Générale. Ensuite, je crois qu'il y en a plusieurs qui sont en droit, mais je ne pourrais pas. Ok. Je sais pas. Anaïs, aujourd'hui, vous êtes encore dans la promo en alternance. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes plutôt, vous avez des bons signaux du marché du travail en termes de possibilités d'embauche à l'issue du programme? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà signé des contrats? Alors, dans ma promo, tout le monde a une alternance ou un stage. Mm-hmm. Il y en a, ça a pris plus de temps, d'autres moins. Le seul conseil que je peux donner, c'est de s'y prendre à l'avance. Et au final, à la rentrée, on s'est tous retrouvés avec une alternance ou un stage. Après, au niveau des contrats, on a tous des bons retours après dans nos entreprises. Donc, je pense que oui, ça va bien se passer pour la suite. Mais il n'y a personne qui s'est retrouvé sans alternance ou sans stage. Si okay. Je peux ajouter un truc sur comment postuler. Déjà, le fait d'avoir Bloomberg à l'école, on peut retrouver des contacts des desks assez rapidement. Au lieu de passer par tout le schéma administratif, RH, la case RH, etc., moi, je conseille toujours, c'est d'envoyer un mail à la personne ou de l'appeler directement. Le bagou marche pas mal en finance. Montrer sa motivation, surtout en marché, surtout si c'est pour un poste de sales, c'est encore mieux. Et également, l'école permet de passer le BAT, donc c'est l'examen Bloomberg, aptitude test. C'est encore live ça, le BAT, vous l'avez passé? Moi, je ne l'ai pas passé. Bloomberg, à l'époque, avait fait un gros push sur cet examen, et je crois qu'ils ont un petit peu peut-être ralenti et du coup, peut-être même abandonner cette initiative. Parce que nous, on regarde encore le ranking des étudiants. Il y a un ranking international, n'est-ce exactement. Pas Exactement. Donc, on regarde toujours ça. Et c'était quoi ton score? C'était 82, ou pas terrible. Okay. Pas terrible, il y a mieux. Il y a mieux. mais il y en a qui s'entraînent. Nous, on y était les mains dans les poches. Concrètement, moi, je suis étudiant, je me pose la question du programme. Je dis, OK, bon, ils ont l'air d'avoir des bons parcours, mais concrètement, combien on gagne en sortant de financière? Alors, moi, premier emploi, j'étais à 42, et du coup, c'est vrai que... moi, je suis sur une niche, en fait, du coup, c'est vrai que l'ALM, en fait, il y a assez peu de formation. C'est vrai que quand on commence un petit peu à avoir de l'expérience, en réalité, on peut espérer monter assez vite, assez vite, parce que peu de formation en France, en réalité, à l'école, n'importe où, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de formation que ça en ALM. Mais après, tout dépend en fait de l'expérience qu'on a eue. Effectivement, si on a déjà travaillé dans le même domaine, en stage ou en alternance, mais souvent c'est beaucoup plus facile parce que du coup, en fait, c'est comptabilisé en fait dans le salaire. Donc je réfléchis sur en réalité, vous avez des grilles en fait selon les écoles. Et ça, en fait, je ne sais pas, parce que l'école n'est pas très connue. Par contre, effectivement, si vous avez l'expérience, du coup, ça, c'est comptabilisé dans le salaire. Anaïs, est-ce que tu as une idée des salaires en compliance? C'est plutôt comme l'a dit Anthony. Ouais. Après, je pense que ça dépend aussi où est-ce qu'on va, si on va dans un petit groupe ou dans un grand groupe, si on se met en consulting ou au contraire, si on se met dans une banque, par exemple. Mm-hmm. Donc, je pense que ça peut vraiment changer. Mais dans tous les cas, l'expérience qu'on a, c'est-à-dire là, en M1, M2, j'ai déjà 2 ans d'expérience, c'est comptabilisé aussi. Moi, j'ai des retours sur l'activité de chasse de tête qu'on a, des salaires en compliance après 3-4 ans. Comme il y a très peu de gens qui ont 4 ans d'XP, les salaires sont déliants. Donc, des profils expérimentés en compliance, c'est, on a l'impression que c'est des gens qui ont fait les meilleures études, les meilleures banques, les meilleurs trucs. Donc, c'est vraiment, vraiment très étonnant. Parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin tellement fort de l'offre de la demande. D'experts en réglementaire.
Et il y a tellement de pression du réglementaire et ça coûte tellement cher de ne pas avoir les bonnes équipes et de faire des erreurs et de payer des milliards d'euros d'amende qu'il vaut mieux en fait renforcer ces équipes. Et puis c'est dans l'air du temps avec MiFID 2, etc. Enfin, il y a de plus en plus de compliance. Moi je sais par exemple dans mon activité, tout passe par la compliance, quoi. C'est systématique. Donc, il y a très peu de gens formés à la compliance. Donc c'est ce que disait Anthony, l'offre et la demande. Ça aussi, c'est l'exemple même en fait, de la réactivité de l'école, où justement, en fait, moi je sais que quand j'y étais, en fait, ce master il n'existait pas. Et ils ont vu qu'il y avait une demande, et ils ont créé en fait, ce master. Et, donc, je pense que ça a été extrêmement rapide. Vous ne verrez aucune université ou, qui réagira aussi vite. Dans un programme, on a besoin du marché. Puis de pouvoir vraiment écrire compliance en fait, dans son CV, pas d'écrire quelque J'ai chose pris un qui cours ressemble. De droit financier. Voilà, là, de vraiment écrire compliance, finalement, c'est un atout. Bien compris. Du coup, est-ce que vous avez des conseils, alors du haut de votre statut de recruteur, d'étudiant, de jeune diplômé, à donner à quelqu'un qui se pose la question, qui hésite à postuler à Financia et qui voudrait un conseil? Oui, alors moi je donne un conseil en fait pour un étudiant qui sort de Master 1 ou éventuellement de Master 2 et qui voudrait une SP plus financière. En sortant de l'université, effectivement, le conseil, effectivement, si vous n'avez pas eu beaucoup d'expérience, c'est vraiment de tenter l'expérience. Si vous en avez eu, c'est encore plus simple, effectivement. Mais l'alternance, c'est vraiment aucun regret d'avoir fait de l'alternance. C'est toujours un plus. Et si en plus vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, c'est encore mieux. Donc le conseil, c'est vraiment franchement de se lancer. Même si l'école effectivement est nouvelle, elle a vraiment apporté et on en ressort vraiment grandi, franchement. Parce que tous les cours sont vraiment appropriés et voilà. Anaïs ? Moi, je pense que la question ne se pose pas pour le M2 Compliance parce qu'aujourd'hui, avec l'offre qu'il y a sur le marché du travail, là, c'est réellement un atout. Et en plus d'être en alternance, on touche déjà en fait au monde du travail. Donc, si on n'est pas vraiment sûr que les études, on ne sait pas si on veut continuer ou rentrer dans le monde du travail, je pense que c'est un bon compromis en fait de faire un M2 en alternance. Ok. Du coup, le conseil, c'est de le faire. Ouais, le conseil, c'est d'y aller. Kevin ? Même conseil, moi, c'est d'y aller également. Je pense que c'est plus important d'avoir de l'expérience professionnelle dans le monde actuel, sachant que mon conseil personnel, ça serait d'aller chez Financia, de trouver une alternance, mais de continuer à travailler même à côté du cours et de l'alternance. C'est-à-dire essayer de trouver sa spécialité, essayer d'avancer, d'avoir un parcours clair, déjà défini, savoir à peu près où on veut aller et travailler dans ce domaine plus que les autres. C'est simple, que ce soit dans n'importe quelle école ou n'importe où. Donc, admettons, moi j'étais fan des produits d'auto et dérivés, donc j'ai, en plus des cours donnés par Thomas, continué à creuser mon côté pour m'améliorer dans ce domaine. Tu peux poser n'importe quelle question en plus. Tu peux poser n'importe quelle question à ton professeur. Dans une classe quand même de 8. On est 10, donc c'est adapté. C'est une chance, c'est vraiment une chance. Exactement, c'est du tailor-made. Moi, avec Thomas, je voulais aller un peu plus loin, il me faisait aller un peu plus loin, etc. Même le rythme est défini par étudiant, quoi. Donc c'est assez avantageux. Question de Greg, qui du coup vous écoute depuis 40 minutes. Re-salut Greg. Quelle est la banque qui recrute le plus de personnes de langue financière? Soggen, je pense. Natixis aussi. BPCE, Natixis. Il y en a aussi chez Cassib. Partout. Au final, je pense que c'est surtout l'expérience. Hein, l'expérience, chacun, l'entretien. C'était le début de l'école, donc pas certain que financier ait forcément joué un rôle. Mais en tout cas, c'est vrai que si on a eu. Enfin, je crois que dans ma promo, il me semble qu'on avait tous de l'expérience, sauf Elsa. Et même Elsa, elle avait trouvé des clients chez Natixis. Elle est chez SG maintenant. On prend les talents. Comment est-ce qu'on fait Bientôt. Comment est-ce qu'on fait Ça, c'est une bonne question, et c'est plus une question qui rejoint ce que tu disais sur la curiosité en dehors.
Une fois qu'on est admis à Financia, il y a un gap avant de commencer son alternance, il y a un gap de temps. Comment est-ce qu'on peut valoriser ce temps, mettre à profit ce temps? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Quelles idées vous avez pour un candidat qui a quelques mois avant le début de son alternance en septembre? Déjà, suivre les cours avec intérêt. Mais je crois qu'il a... Avant les cours, il n'y a pas encore commencé. Pas encore commencé. Il y a pas mal de ressources, soit des livres, hein, le HUL et le classique niveau 101. Et ensuite, sur Internet, il y a beaucoup de mocks, que ce soit sur EDX ou Coursera, avec un panel super large de cours. Donc, moi, je dirais plutôt un peu de programmation, un peu de méthode quantitative, lire la presse, suivre Bloomberg, News, et essayer de suivre un peu le marché. Ok. Peut-être nice. Se positionner peut-être sur... Si, c'est sur le marché, en tout cas. Ouais, se positionner peut-être sur le type de finance qu'il veut faire. C'est-à-dire sur un produit. Ouais, un peu déjà avoir un aperçu un peu de ce qu'il veut, etc. Je pense que ça aide beaucoup. C'est de là aussi que vient la motivation, quand on sait ce qu'on veut faire. Donc peut-être un peu regarder, lire, effectivement, et voir en fait quel type de finance, quel produit. Ouais, c'est très vaste, la finance c'est très vaste. Il voudrait travailler, et je pense que c'est toujours un plus. Et après, c'est encore plus facile à défendre lorsqu'on passe un entretien pour l'alternance. Naïs ? Moi, je pense que c'est pas très bon en anglais. Il faut qu'il bosse un peu son anglais, ça va l'aider. J'allais conclure par le niveau d'anglais, parce que quand on le parle bien, ouais. On ne pense pas à le bosser. C'est sûr. Quand on galère, ça se ressent. Je pense ça. Et s'il est motivé de passer sa certif AMF, comme ça, il est tranquille. Parce que l'école nous aide à la préparer, mais s'il veut la passer avant, s'il a du temps, moi, je dis. C'est une bonne idée, ok. Ouais, je pense que... Donc, éventuellement, même un séjour linguistique pour l'anglais. Un stage. Ou alors, un stage à l'étranger. Kevin, des destinations de vacances peut-être à proposer? Raja Ampat, Papouasie. Autre question intéressante. Est-ce qu'il y a une association des anciens étudiants pour vous accompagner? Et si oui, quelle est votre implication? Sinon, pourquoi et quand? Alors justement, elle est en train d'être créée actuellement là. Actuellement, ils sont en train de créer un bureau alumni. Nous, quand on y était, effectivement, elle n'était pas active. Mais donc, voilà, c'est en création. Là, depuis quelques jours, on a reçu un email. Effectivement, c'est en cours. Super. Est-ce que vous avez, on approche de la fin de ce live, et si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur votre scolarité à Financia, qui pourrait être intéressante dans le cadre de ce live, évidemment, à partager? Moi, dans l'immédiat, non. Mais alors, je suis en train de réfléchir. Je sais pas si ouais, je réfléchis aussi. Ouais. Ouais, peut-être les cours du le jeudi soir. C'était quand? Le jeudi soir de 20h à 22h. Ouais, c'est masterclass, quoi. C'est pas mal. C'était des cours de nos... Non, c'était masterclass. Donc, il y a des intervenants professionnels qui viennent présenter leur activité. C'est un bon moyen de pouvoir se rapprocher des lignes métiers, de poser des questions, prendre des contacts. Ok. Donc, voilà. Mais c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ouais, c'est toujours le jeudi. Pas toujours le jeudi, mais en effet, ouais, c'est le soir après les cours. Mais c'est pas mal pour se créer un réseau et aussi pour s'intéresser à d'autres sujets, en fait. De ne pas rester que dans ce sujet et de connaître d'autres choses. Non, c'est intéressant. Ça donne de l'ouverture d'esprit. Je ne vais pas répondre à la question d'anecdote. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, une anecdote, peut-être? Une anecdote, là, je ne sais pas trop. C'est compliqué, ouais. C'est pas facile, hein. C'est quoi, c'est une anecdote professionnelle ou une anecdote un peu plus croustillante? Je n'ai pas de détails sur le niveau de l'anecdote. Non, franchement, moi, ça ne me vient pas, là, dans les médias. C'est vrai que c'est pas... non, je n'ai pas d'anecdote. Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous êtes contacté aujourd'hui par des étudiants financiers? Oui, moi, de temps en temps. D'ailleurs, tu m'avais contacté pour des modèles sur les taux, il me semble. Oui, ouais, c'est vrai. Donc oui, sachant que l'année dernière, j'avais aussi également proposé quelques heures de cours en programmation. J'essaye de répondre la plupart du temps avec un délai, comme tu as pu le constater, mais je réponds toujours in fine. Mais oui, donc je suis contacté assez régulièrement.
même pour, que ce soit pour des stages. Nous, je sais que dans notre équipe, on a déjà fait une alternance et un stage à Londres avec quelqu'un de Financia. Donc voilà, donc, okay. Quand il y a un profil qui nous intéresse, j'essaie déjà de piocher à la maison. Ok. Anaïs pardon. Anthony, ouais. Non, pas encore Anaïs. J'avais une autre question pour Anaïs. C'était quoi la question? C'était est-ce que tu es contacté par des étudiants financiers aujourd'hui? J'ai été contacté, oui, c'était pour trouver un stage. Sinon, c'est tout. Effectivement, j'étais juste contacté effectivement, par un étudiant pour trouver un stage. J'avais passé un CV, ouais. Ok. J'ai pas eu. Alors, je crois qu'il avait trouvé après par la suite, effectivement. Et Anaïs, tu te sers de du cours réseau financier. Il y a 4 ans d'ancienneté, donc c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de profondeur encore. Mais est-ce que tu t'en es servi? Est-ce que tu as contacté des anciens? Moi, j'avais échangé, oui, lorsqu'on avait fait une porte ouverte avec l'école. Et aussi, il y avait des personnes qui voulaient rejoindre Financia qui étaient venues. Du coup, on avait pu discuter, échanger sur le processus d'admission et aussi ceux en fait, qui avaient fait les masters précédents, de nous faire un retour en fait, sur comment ça s'était passé après sur le marché du travail. Ok. Je pense qu'on a, vraiment déroulé à la fois l'admission et vos motivations pour entrer à Financia. On a ensuite parlé comment est-ce qu'on appréhende la jeunesse de l'école vis-à-vis des recruteurs et est-ce que ça a été un frein ou au contraire est-ce que ça ne vous a pas empêché de décrocher vos offres. On a parlé des cours, de la technicité, du corps professoral. On a également parlé de votre promo et des liens entre les anciens et les étudiants actuels. Est-ce que vous voyez un élément dont on n'aurait pas parlé et qui serait important de retenir de ces 1 heure d'échange? Là tout de suite, non. Je pense qu'on a, bien déroulé tout l'aspect du master. Non, encore appuyé effectivement sur le fait que même si l'école n'a finalement assez peu d'expérience, d'ancienneté, ouais, tout à fait, c'est vraiment pas une lacune dans le sens où c'est vrai que le master est assez complet. Je pense qu'il est assez complet, donc du coup on en ressort vraiment avec un profil assez complet. Ouais. En tout cas, c'est vrai que je pense que nous trois, je crois qu'on est arrivé quand master 2. On n'a pas fait. Moi j'ai fait le tout. M1. Ah, t'as fait le M1, mais tu étais arrivé en ouais. Master 2, je suis arrivé en master 2. Et pour moi, ça a été vraiment un final en termes de professionnalisme, quoi, vraiment, où je pense que j'aurais pas pu trouver ça à l'université, qui est quand même vachement plus théorique. Ouais. Donc vraiment, ouais, aucun regret sur l'aspect pratique vraiment de l'alternance et des cours donnés par des professeurs souvent professionnels. Ou, voilà. Anaïs, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je rejoins Anthony sur le fait que c'est vraiment un master complet parce que nous, par exemple, en compliance, on doit passer la certif AMF. On a même des cours de préparation à la certif AMF et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, souvent, on nous la demande. Même certains recruteurs, ils nous laissent 6 mois pour la passer. Si on ne l'a pas, on ne reste pas. Là, le fait de la préparer à l'école, d'avoir des cours à côté, en fait, on est tranquille et du coup, c'est vraiment un avantage. Kevin? Je ne sais pas trop quoi rajouter. Non, c'est bon. Ouais, je pense, si, peut-être, oui. Quelque chose qui est assez descriptif de l'école, je pense, c'est... en gros, la théorie, on la comprend, mais ça ne fonctionne pas. La pratique, on ne comprend pas toujours, mais ça fonctionne. Et c'est bien d'allier justement ces deux compétences pour avoir une vue assez globale sur les activités de marché, par exemple, ou peut-être dans les autres masters également. Kevin et Anthony, vous n'avez pas connu le nouveau campus? Non. Non, on ne connaît que l'ancien. Parce que sinon, on avait un peu des 2-3 petits trucs sur la terrasse. Hein, ça, on aurait pu. En croustillant. Mais... Est-ce qu'Anaïs, tu veux nous dire un mot du nouveau campus? Où est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Oui, on est dans le 15e maintenant. C'est plutôt grand. C'est des beaux locaux, tout neufs. Donc, on est bien lotis. Et on est bien placé dans le 15e. Ça change de. C'était quoi, Courbevoie? Ouais, la défense, ouais, Courbevoie. Moi, non, moi, j'aimais bien. La terrasse, belle petite vue. Non, c'était bien, pas loin du job. Quand tu cherches une alternance, le fait de pouvoir aller à l'école et aller en cours en 10 minutes, c'était parfait. Ouais. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour vos retours d'expérience, pour vos témoignages, pour votre bonne humeur. J'espère que. Enfin, je me dis que si le reste de votre promo est
à l'image de l'échantillon qu'on a, on doit bien rigoler. C'était sympa. Ouais, c'était cool. Je vous remercie pour vos questions, pour l'échange qu'on a eu. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui restent, à les poser en commentaire. Nous, on traitera évidemment ces questions par la suite, on reviendra vers vous avec des réponses. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions un petit peu plus personnelles, vous pouvez nous les envoyer à contact@alumni.fr et on prendra le temps de répondre à toutes les questions. Merci encore Kevin, Anthony et Anaïs, et je vous souhaite une excellente journée.